Et salut YouTube, j'espère que tu vas bien, je te fais des bisous. On se retrouve sur Dragon Age Inquisition. Épisode 40. Si je dis pas de conneries, ça va être le 40. Je crois que le dernier que j'ai mis en ligne, c'est le 37. Et du coup, hier, j'ai joué 2 heures, donc ça fera 2 épisodes. Logiquement. On avait pris Force Souledine, on avait galéré du cul, on était mort un nom incalculable de fois. Bonjour à la tâche, inquisitrice. Ah lui, je m'en fous, il est chiant. Je vais vous laisser maintenant. Il est chiant, c'est Yves Chapelier qui double, mais il est chiant quand même. Alors, j'ai eu un constat, une épiphanie hier. Il faut absolument que je wipe les pouvoirs de comment il s'appelle? De Dorian. Bah, je vais en profiter de toute façon pour aller à Fort Céleste. Attendez, ça me gratte. Donc je vais à Fort Céleste, il faut que je fasse les. Que je mette mes sbires sur d'autres missions. Et après, il faut absolument que je wipe les pouvoirs de Dorian. Parce que hier on a pris Taro et en fait je me rends compte que j'ai pas de heal. Parce que je suis mage spé attaque. Enfin j'ai build en attaque Rift Mage. Et du coup j'ai aucun soin et je me fais beaucoup trop poutrer la gueule. Parce que ça bourrine, mais c'est ultra fragile au final comme config. Donc je vais réorienter, parce que moi j'ai pas du tout envie de jouer heal. Je vais réorienter le bon Dorian. On va acheter un renouveau du tacticien, pas grand chose en plus. Et on va le réorienter le bon Dorian sur du heal quoi. Parce que là, c'est pas faisable quoi. C'est vraiment pas faisable, ça me casse les couilles. Masque coquin, c'est vrai qu'il a un truc de. Attendez, ça me gratte l'oreille, c'est horrible. Alors, je sais plus si c'est dans quoi, ça va être dans l'accessoire, le renouveau du tacticien, pas du tout. Oui. Voilà. Et on va lui vidanger ses pouvoirs parce que. Je vous avoue que ça me casse un peu les couilles. Donc du coup, P. Et on va pas le monter en auto. Ah, parce que par contre moi j'ai un point. Non mais moi faut que je le mette en Rift Mage. Alors j'ai déjà le guide là-dessus. Alors. Non ça je m'en fous. Attendez. Moi faut que j'aille vers ces trucs là, tempête de flamme et puis le. Non ça je m'en fous, mais tempête de flamme il est cool. Donc faut que je mette un point là-dedans. Magie au déverrouillage plus 3. Bonus de durée contre affaiblissement. Ok. Hop. Allez, c'est parti. Et le bon dodo. Alors je vais lui foutre la gueule. Survie. Hop. Alors, défense élégante. D'accord. C'est quoi l'autre? Votre barrière fait résister en pleine puissance plus longtemps. Oui, donc. Ça, je m'en. Voilà. Je m'en carre un peu le cul. Réduction de la menace. Ça, finalement, quand on y réfléchit bien, c'est pas mal parce que du coup, ça le permet de faire la grosse victime de son côté. Non. Oui. On met un bonus de dégâts. Non. Donc ça c'est quoi? Résurrection. Vous invoquez les esprits. Ekir. C'est bien ça. On va mettre la résurrection et puis les esprits protègent vos alliés. Il réduit les dégâts qu'ils subissent et les réanime s'ils perdent connaissance. Ok. Non, ça c'est de la merde. Voilà. Donc on va déjà lui bourrer ça. Vous nourrissez de sa douleur. Voilà, on va déjà le partir là-dessus. Je sais pas ce que c'est ça. Ah, c'est nécromancie. Ah, je peux le monter nécromancie lui.
Parce qu'il faut quand même que je lui mette des sorts d'attaque, parce que là, il va pas faire le Fierro, ça. Mais il n'y a pas de sort de heal, en fait, ça, c'est terrible, ça. T'es vraiment obligé de te baser sur tes potions. Mais bon, si on a déjà un mec en support, ce sera déjà pas mal. Est-ce que vous savez quoi? Je vais aller regarder ce que Solas il a, parce que Solas, apparemment, c'est plutôt un bon heal. Ouais, c'est ça, hein, Solas, il a... Mais il a pas raise, Solas, non. Oui, peut-être aussi parce qu'il est pas... Mais voilà. Mais Solas, c'est une victime aussi, je peux pas... Bonus de barrière. Alors est-ce que je mets un point là-dedans à la con juste pour aller là-dessus quoi? Allez, on va faire ça. Parce que j'ai pas non plus envie que ce soit la victime. La victime sur le champ de bataille, quoi. Il faut qu'il puisse se défendre un peu. Donc qu'est-ce que j'aime bien les points en nécromancie? Alors effrayer les ennemis, c'est pas mal. D'accord. Il est affecté par horreur, se recroqueville sur eux-mêmes et ne réagissent plus aux attaques jusqu'à ce qu'ils subissent des dégâts suffisamment importants. Ok. Ça c'est. Ouais. Non, c'est pas mal en vrai. Ça c'est bien ça en vrai. Alors ça c'est cool ça. Ouah, 900% des dégâts de l'arme, quelle angoisse. Ça va être bien pour taper les grosses. Hein. Vas-y, on va partir là-dessus. Je pense que c'est un build cohérent. Et il va se démerder plutôt correctement pour pas paniquer. Ah, il faudrait peut-être qu'on regarde le crafting tant qu'on est sur de la Je ne merde. cherche pas à marcher sur vos... On s'est aidé. Non, mais en fait, ça, il faut que j'attende d'avoir ma stune. J'ai même aucune idée de l'équipement que j'ai là actuellement. Ça c'est déjà un truc que j'ai crafté, non? Ouais bah Droomfrit. Si elle s'appelle Droomfrit, c'est que je l'ai crafté, ça c'est clair. 172 d'armure, ouais bon. De toute façon, si je veux vraiment avoir une armure complètement pétée, il faut absolument que je les achète à l'Emporium parce qu'il y a des schémas complètement abusés. Mais j'ai de toute façon pas la thune pour faire ça. Et je sais pas bien comment je pourrais faire pour l'avoir. Je me souviens plus exactement comment on peut. Est-ce que j'ai des gens à juger? J'ai personne à juger. Ok. Ok, donc quête. Enfin, quête. Je m'accaprends. Salle de guerre là, salle du conseil de guerre. Musique de Mass Effect, attention. Faudrait limite que je crée une hotkey pour la musique de Mass Effect. Ce serait exceptionnel. Donc on va continuer la quête de Cullen aussi, parce qu'on avait commencé hier, et puis ça faisait partie de la prise de l'emprise du lion. Ah, on a gagné un point. Ah! Vous sembliez vous plaire dans le palais d'hiver, Leliana. Ou cela faisait-il partie du jeu? Peut-être les deux? Je suis à combien? 2 points là-dedans. Pas terrible, hein. La capacité de l'inventaire c'est bien, mais en définitive c'est pas ce qu'il y a de primordial là pour l'instant. Mais après, le fait est que globalement c'est de la merde hein, le reste. Là j'ai. Ça c'est pas mal, mais on va plus explorer vraiment de zone donc bon, c'est vraiment utile. Ça on s'en fout un peu. Ça par contre, ça c'est good ça. Merde, je les teste. Bien meilleur Epitone. Ouais, c'est bon. Par contre, c'est. Le problème, c'est que je sais plus comment faire des combos. Du coup, je sais plus comment gagner les points, machin. C'est pas clair. Donc,
Donc on va déjà récupérer ce sur quoi on les avait mis. J'ai oublié ce que c'était. Ah bah les plats. Anthologie, c'est quoi cette épée de la mort là? Alors ressources de bosseret, obtenir des plantes. On s'en fout un peu de ça hein. Clairement c'est un peu fort la musique là je trouve. Ouais 12 minutes après c'est pas non plus le bout du monde mais mais il y a tellement de trucs en fait qu'il faudrait que je fasse genre ça là. À 16h. Ah ouais ok bon alors, celle-là on est pas prêt de la revoir hein, je le dis moi. Gagner de l'argent. On va foutre que l'aine là-dessus. Il faut qu'il nous gagne un peu de pognon parce que. C'est pas la fête du slibard. Hein. Voilà. Inquisitrice. Pioliana. Loliana. Je ne vous ai pas posé la question. Qu'était sur les ruines elfiques. Comment se passe la recherche de Sanson? Nous y sommes presque. Je le sais. Si je peux vous aider. Mais attendez, je l'ai pas déjà fait ça. Merci. J'apprécie. J'ai rien compris. J'ai découvert une nouvelle zone du coup, comment ça se passe? Ah non, attends, laissez-moi la tombe d'émeraude, je suis complètement super là. On va essayer d'aller voir, hein. Écoutez, je sais pas ce que c'est. Mais... non, mais jamais. Bah, ça... Je respecte mon ordre, c'est important. C'est Ebert. Faire un peu d'explo et puis on ira terminer. Je sais plus trop ce que c'est cet endroit. Ça me dit rien comme ça. Et puis après on ira terminer les quêtes à Emprise du Lion. L'Emprise du Lion. Alors si je me rappelle de cet endroit, mais. Des Dalassiens. Ils ont été assassinés. On dirait qu'ils ont essayé de se défendre. Et la plupart n'étaient pas armés. Les pauvres, ils n'avaient aucune chance. Il devrait y avoir des soldats de l'Inquisition ici. C'était quoi cette voix là? Cette voix de la mort là? Qui a parlé comme ça? J'ai rien invité, mais d'accord. Je vois pas du tout où je suis en fait. Mais d'accord. Ok, on va essayer d'aller voir les ruines. Ce sont nos hommes. Ah! Attendez. Ah, il y a du pognon en tout cas. Moi je prends tout ce que je veux, tout ce qu'il faut finalement, c'est important. Bon, alors je sais pas du tout dans quoi je m'embarque là, mais ça sent l'arnaque moldave, à 12 bornes. Je ne me souviens ce sont nos hommes. De cet endroit. Ah ouais, ils se sont fait victimes un peu. Je me rappelle plus du tout de cet endroit quoi. Je sais plus ce que c'est, sans déconner, j'ai oublié. Ça va peut-être me revenir, mais là pour l'instant, j'ai rien. Non, faut monter là? Ah oui. Visiblement. Ah! Ah, vous êtes là. Ah, c'est les Venatori! Ça faisait longtemps qu'on les avait pas victimes, eux, tiens. Ah! Arrêtez. Ah non, il y a des tireurs. Non. Stop. Dorian, je crois qu'il a pas bien compris sa nouvelle spé. Hein. Je vois pas de barrière, je vois rien. Il est un peu con. Hein. Arrêtez!
mec a volé. Mais pourquoi faut aider Dorian? Il va très bien. Ah, il y en a encore. Connard. Alors, c'est, j'ai des bribes de ce passage, mais il vient pas là. Je sais qu'il y a un truc, mais je me dis vaguement quelque chose, mais là comme ça, je n'arrive pas à le pont. Ah, ah bah vous êtes là. Il s'est fait victimiser quoi. Oui. Les hommes de Corypheus avaient un fragment de sceau. Est-ce qu'ils savent au moins ce qu'il ouvre? Ça leur est sûrement égal, tant qu'ils sont les premiers à mettre la main dessus. Vous êtes en train de me dire que Corypheus est un homme greedy? C'est probable. Sans déconner, je vois vraiment plus où je suis. Hein. Ça a l'air particulièrement scripté comme zone en plus. Je sais pas. Ah, mais il y a du monde là. Oh, il y a un sorceleur de. Arrêtez! Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez! Arrêtez! Voilà. Commencez à m'ennuyer avec le vieux porc. Il s'est fait victime bolos. Mais Varric, il est tellement fragile. Varric, il est tellement fragile. Ah, on arrive. Ah, il y a encore le. J'avais pourvu qu'il était encore. Rassurez-moi, je vais pas devoir taper des gars pour choper tous les sauts quand même. On n'en est pas à ce point-là quand même. Si? Vraiment? Putain, viens en plus. Oh non, il y a un gros là-bas. Je vais vraiment devoir taper tous les des behemoths à chaque fois pour avoir les sauts. Non, pas sérieux là. Oh. Se victimiser à distance ou quoi? Le mec aura même pas le temps de toucher qui que ce soit, il sera déjà mort. Ah si, peut-être un coup. Ah bah même pas. Le coup a été plus rapide. Putain, c'est vraiment ça quoi, je vais devoir taper les connards pour les fragments. Bon, c'est vrai que c'est les Venatori qui sont fragiles hein, mais en vrai... Non mais je prends les trucs, je m'en fous. Ah bah alors là c'est peut-être pas un géant. Non? Ah putain le con, en fait on le voit encore, il était devenu invisible mais on le voit encore parce qu'il est il est en flamme. Hein? Hein? Le pauvre gosse. Mais je sais, pourquoi tu me sors les infobulles, Vandouille? On jette un coup d'œil.
Petit saut de merde. Non, en vrai, je me rappelle plus de cette zone. Ça, c'est fou. Même en ruine, cet endroit est impressionnant. Une amie m'a parlé des chevaliers d'émeraude. Apparemment, ils avaient le regard féroce et de grandes épées pointues. Et de rien. N'a jamais été très doué pour les descriptions dramatiques. Et de rien. Tout à fait. Je parlais pour ton ami, hein, parce que pour le chevalier d'émeraude, ça se tient, mais ta pote, c'est vraiment une pauvre fille, quoi. Putain, mais 9 sauts, quoi. Déjà 4, c'est relou, mais... Faut que j'arrête de saler, parce que ça arrêtera jamais. Ah tiens, c'est très bien, ça verrait que tu vas m'ouvrir la porte. Ça sent le petit loot. Pas de qualité, mais le petit loot quand même. On dit quand même. Ouais, quand même. On dit quand même. Alors c'est marrant, je me rappelle de cet endroit là en particulier. Cette caisse là. Ceinture de potion améliorée. Ah, oh. Non curative. Rien à branler, mais ça se revendra. Je me souviens plus ce qu'il y a au fond de cette cave. Mais j'ai pas beaucoup d'éclats en plus de ça. Parce que j'avoue ne pas avoir fait une recherche particulièrement exhaustive, mais en vrai ça pourrait me donner des bonus de ouf ça, mais je l'ai pas fait donc. Je crois que j'ai même pas été à l'Oasis Interdite. Donc, logiquement il aurait fallu que j'y aille, mais. Partie des zones, c'est ça que j'ai pas du tout exploré. J'ai pas fait le bourbier délaissé non plus, faudrait peut-être le faire un de ces quatre. Ce serait pas mal. Les sauts ça se revend cher, la console casse-toi. Putain, je suis déçu, j'avais envie de jouer à Mirror's Edge quoi. Et je peux pas. Et je suis sûr qu'il va falloir que je rachète le jeu. Ça va m'agacer. Même si je l'avais payé 5 balles pour la démarche administrative, il va falloir que je le rachète. Parce que gna gna gna, on va vous rembourser, votre version est invalide, je sais pas quelle connerie. Ça me gonflait. Ça me saoulait. Mais je l'achèterai sur Steam, hein, pas sur Origin. Parce que je me fais pas baiser deux fois quand même. Je suis pas débile à ce point là. Je suis pas idiot comme ça. Je suis bête sur plein de trucs, mais pas là-dessus. Donc clairement, j'arrête de donner mon argent à EA. Je donne un peu d'argent au gros Gabe et puis le reste à EA quoi. Faut pas déconner. Alors là, il y a du gros là. Là, va falloir se battre. D'accord. Vous voulez quoi comme épitaphe sur votre tombe? Je sais pas pourquoi je sens qu'il va ouvrir et que derrière il y aura 1 million de gars. Ah, tous les Venatori. En fait, ça c'est une quête impossible à faire si t'as pas de rogue. Tout ça pour ça. Ah, je peux même pas ouvrir la caisse. Une blague? J'ai rien invité, d'accord. Ah, je vais pas être trop greedy, hein. Je vais essayer de partir par des voies conventionnelles. Ouais. Je comprends pas grand chose à leur carte, mais d'accord. C'est de la merde. C'est de la grosse merde. Oh, les épitaphes, ça doit pas être là.
s'il y en a que deux, un peu mieux. Oh, il était bien esquivé celui-là. Ah mais c'est parce qu'ils sont... Ah mais ils sont niveau 15 aussi, c'est parce qu'ils puent le sexe. On va descendre. On va descendre, on va aller les battre parce que ça commence à me gonfler. Ah! Ah vous êtes là. Mais tiens, tu... Putain, t'es déter, toi. Hein. J'ai pas assez de régène de mana. C'est mon grand problème dans la vie. Au final, les behemoths maintenant, ça rend de la piste de chat, quoi. Victime là-bas. Ah, je les aime pas ceux-là parce qu'ils vanichent, ça m'énerve. Alors, il y a encore du feu voilé. Et encore une victoire. Ah ok, donc là, ça c'est l'endroit final quoi. Là faut tous les sauts pour y aller, donc il nous en manque deux. Et j'ai très peur d'avoir softlock le jeu quand même. Hein. Ah non ok, c'est bon j'ai compris, c'est parce qu'en fait il y en a encore un à l'étage et il y en a un ici. Du coup comme il faut que j'obtienne les deux, et bah le Pathfinder est tout con. Logique en fait. Voilà,
c'est normal. Ouais, voilà. Je t'ai vu, hein. Il y a encore des épitaphes là. Vous voulez quoi comme épitaphe sur votre tombe? Ouais, donc t'es vraiment obligé d'avoir soit un mec avec une clé, soit un mec qui peut te péter le mur. Enfin, un mec avec une clé, un mec qui... Un mec qui peut ouvrir les... Qui peut crocheter, quoi. Ah, pas du tout. Je pensais que j'utilisais un raccourci, mais en fait, non, c'était de la merde. En vrai, je me souviens vraiment plus de ce qu'il y a dans le. Dans la pièce là. J'ai vraiment. Je me rappelle plus de cette zone. J'ai des vagues souvenirs, mais. C'est pas clair. On y est. Je me demande ce que les elfes ont laissé ici. Ah, ça en revanche, ça me rappelle plus quelque chose. Ça me rappelle un truc. De toute façon, faut être elfe. Ça, je les prends, ça me rapportera du fric. Ah, la robe d'archiviste elle est pas folle. Clairement, par rapport à ce que j'ai, c'est de la merde. Ça, on s'en fout, par exemple. Ah, il va encore avoir une énigme à la con. Ah merde! Ah non, pas eux, je les aime pas. Mais il va y en avoir d'autres. Il va vraiment y en avoir d'autres là, c'est pas possible. Sac à merde. Oh les connards! Ouais, Blackwall c'est le tank, hein. Blackwall il est. C'est un grand gaillard, il est fait pour encaisser. Tiens, les archers, je peux vraiment pas les blairer. Plus ça tombe vite, mieux c'est. Allez, ça dégage. On va vider les cadavres. C'est une mine, ça. Hein.
la merde. Cœur de cadavre. Encore une énigme à la con. Hein. C'est vraiment de la merde. Je sais pas pourquoi je sens que ça va finir sur Super Solus ces conneries. Mais qui a aucune patience. Ah, la Soul. Ah. Connard. Ah, il y en a beaucoup trop en fait. Oh, je vais me faire victimiser. Oh là là. Dégage. Je ne veux pas de vous ici. Ah. Ah. Ils font mal hein les petits bitères. Paf. Non, attendez, on avait eu un super bouclier, je crois, pour Black Wall. Ah ouais, non. Ça se revendra. Tu peux... Oh les bâtards, tu peux vendre le récit à la chanterie. C'est un rapport sur Onverm. C'est l'attaque des elfes sur le village qui aurait provoqué la marche exaltée de Dalassie. On devrait donner ça aux Dalassiens. C'est à eux que ça revient. Ça ne donne pas une excellente image des elfes. Il vaut peut-être mieux qu'ils s'en tiennent à leurs vieilles histoires. J'imagine que la chanterie serait tout aussi intéressée par ce document. Alors. Moi je suis pas du tout d'accord. Je pense qu'à un moment, un peuple qui connaît pas son histoire fait les mêmes conneries. Et du coup, c'est peut-être un... Si je donne ça à la chanterie, en plus, ça va légitimer la marche exaltée, c'est pas bien. Alors, oui, elle était plus ou moins légitime, vu qu'apparemment, ils ont attaqué un village, mais... Je peux pas... Ils vont... la chanterie, c'est de la saloperie. Et ils vont forcément se targuer d'avoir fait quelque chose de bien, parce que... Gna gna gna, on a défendu les pauvres, la veuve et l'orphelin, ta mère va crever, quoi. Donc du coup, je vais le donner aux elfes. Et là c'est un coup de poker, c'est-à-dire que soit l'archiviste il chie dans le peuplard et il s'en fout complètement. Auquel cas, bah, pas y faire grand-chose. Soit, enfin je peux pas y faire grand-chose, c'est un connard. Soit effectivement je dis chiotte. Et je lui dis, tu vas enseigner ça à tes gosses. Tu leur diras de plus faire de conneries. Voilà. Donc on va faire ça. On va faire les choses dans le bon ordre. Ah, on revient là, ok. Ça doit être dans les... Ouais, plein exalté, c'était sûr. Alors que j'aille au...
C'est un plaisir de vous revoir. Oui, j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé quelque chose concernant Aunverm, dans Dinananin. Puisque vous êtes allé au tomb Emerald, avez-vous vu Taven et les autres? Ils ont été tués. Je suis désolé. Moi aussi. Désolé, mais pas surpris. Merci de m'en avoir informé. Cela fait partie de notre histoire et nous la chérirons. Vos dieux veillent sur vous, camarades. Ah, de son influence, finalement c'était peut-être pas forcément mauvais bail. Bon alors, vas-y, c'est interne, dégueulasse. Palais des perles noires. Le bourbier délaissé, j'ai jamais foutu les pieds, hein. Dégueulasse, hein. Remarque, la côte, c'est pareil, hein. Faudrait que je fasse ça aussi. Vous savez quoi, tant qu'on est dans les quêtes annexes nulles, on va aller péter la gueule au Venatori de la côte orageuse. On ne peut pas. Tenez, ça pourrait vous intéresser. Qu'est-ce qu'elle me veut l'autre là? Si vous avez une minute, qu'est-ce qu'il y a? Vous devriez regarder de plus près. Rien à signaler, noble dame. Inquisitrice. J'ai rien invité, mais d'accord. Ce qui me manque là? Ah, des sources de bois et des carrières. Tour de guet principal, tapisserie de l'Inquisition. Mais j'aime décoratif, j'ai jamais réussi à foutre la main dessus. C'est dans ce coin-là, je crois. Et je me rappelle une espèce de porte dans un mur, là, con. Ah non, c'est des Red Templars. Pas les Venatori, j'ai des bêtises. Ah, ils sont level 18! Ah ouais, c'est... Il va peut-être pas être si aisé que ça, finalement. Ah bah, une source de bois, très bien. Oh non, il y a un ours. Oh non. Arrêtez. Ah, c'est ça, c'est la porte là. On va essayer d'esquiver l'ours, hein, parce que bon. Jouer à Winnie l'ourson, ça va bien des minutes quoi. Ah. Oula. Jean-Michel, qu'est-ce que. Sors de cette terre, Jean-Michel. Oh pardon, Jeanne Micheline. Quel enfer. Quel enfer. Putain, ce bruit de pas. C'est cet écho de ouf. Ce sound design, le sound design de ce jeu est quand même très fort. On va dire ce qu'on veut. Il y a du travail fait. Ah oui, et puis après on pourra aller sur l'île où il y a le dragon et on n'ira jamais le tuer. Hein, parce que bon, voilà quoi, tuer les dragons. Les Templiers Rouges se sont retranchés ici. Bah. Je suis prêt. C'est galère. Éradiquons-les. C'est galère à mort. Oh non! Ils sont insupportables. Ça commence à faire effet, je vois que Dorian il commence à caler des barrières de temps en temps, c'est bien.
Non, va-t'en, voilà, dégage. Je sais que tu m'aimes, mais moi pas en fait. Just go. Bank. Comment ça, merde? Eh, hey, oh! Ne sois pas si vulgaire. Cassant. Je sais pas où j'en suis niveau... Ah. Je sais pas où j'en suis niveau... inventaire. Ah, je suis bientôt dans la merde. Hein. Il aurait fallu que je refasse un tour à Force Céleste vendre des trucs parce que... On a l'air un peu con, je pense. Oh, puis on a jamais fait. Je suis en train de me dire qu'on a jamais fait les extensions du jeu là. On a jamais fait tout ça là. Le cercle des dorsales. Il y a. Il y a quoi? Il y a le cercle des dorsales. C'est vraiment chiant comme zone. Il y a les tréfonds, prêtre espaceur, t'es obligé de terminer le jeu. Prêtre espaceur, soit. Questions sur les Templiers au service de l'Inquisition. Non, non. Ça doit être dur pour eux de voir leurs camarades transformés. Ah oui, bah ça, oui. Ah bon, fallait choisir ton camp dès le départ. Hein. Fallait choisir ton camp, mon petit pote. Hein. Oh! Salle du trésor. Amulette de force renforcée, c'est pas mal ça. Petite thune. Ah, mais y'a du PQL ici. Donc. Ah, j'avais pas vu, mais y'a un gros. Ah! J'ai cru qu'il. J'ai cru que c'était le bloc de l'Irium Rouge, je m'en fais pas du tout. C'est bien le gros. C'est de la merde. C'est de la merde. Ah. Bon. On va pas aller là, hein. Du coup. Ah si, il doit y avoir moyen d'y aller, mais je sais pas trop comment. Je sais pas trop comment ça se danse. C'est pas clair. Ah mais si, attendez, je suis con. Je pense qu'il faut aller au fond là-bas. Ouais, ça doit être ça logique. Il doit y avoir un accès par en bas, sauf que comme on a farmé comme des connards, on a été hyper vite.
Ouah, d'où il sort lui? On t'a jamais appris à être poli et à pas sortir des cages statiques? Sac à merde. Il ignore complètement les trucs. Ah, fou. Pif. Ouais, je pense que je vais pas tarder à arrêter. Ça me saoule un peu. Là, j'ai la déception, j'ai le sel. Non, arrêtez. J'ai le sel de Mirror's Edge. Je m'agresse. Je termine cette zone et puis j'arrête. Clé des Templiers rouges nécessaire. Quoi? Vous voulez que je trouve ça, moi? Je me suis fait un pognon de dingue. Bah écoutez, on ira pas au fond là. J'ai pas trop clé des Templiers rouges. Si ça se trouve, en fait, on la drop sur un gars et. Et je sais pas c'est lequel. Ou alors on la drop au bout peut-être. Non, pourquoi tu peux t'en servir le lyrium? Sincèrement, c'est dégueulasse, faudrait pas faire des armures avec, ce serait pas bien. C'est vrai que Meredith, le chevalier capitaine de Kirkwall, s'est transformé en statue. Tout à fait. Elle y est toujours et apporte une dose d'horreur supplémentaire aux touristes qui visitent la potence. Personne n'a déplacé ce truc. Je veux dire, elle, la statue. Pour que les enfants ne puissent plus jouer à t'es pas cap de toucher Meredith? Ils ne jouent pas vraiment à ça, si? Non. Personne n'est cap de toucher Meredith. Ouais. Personne n'est cap. C'est ce que je me disais. Vous êtes tous des grosses clopettes. Ah. Il est encore bugué lui hein, là-bas. Moi je l'ai victime bolos quoi. Ouais, c'est bien. C'est dégueulasse. J'adore cette attaque. Elle est vraiment trop drôle. Je crois qu'on a réussi à chasser les Templiers d'ici. On n'a pas trouvé la clé, mais d'accord. Ce bateau semble toujours en état de naviguer.
c'est bien de la merde, hein. Tout ça pourquoi ? Pour du schnaps. Ouais, j'en cours. Qu'est-ce qu'on pense trouver ici ? Alors, il y a un astrarium, ça c'est certain. Puis il y a le putain de dragon. Voilà, déjà, il y a un truc que je vois, ça me plaît pas. Quoi. Déjà, eux, là... Je sais plus de quel type élémentaire il est, mais... Ah, c'est feu. Bon, ils sont niveau 11 en même temps. Ils vont vite se faire victime, quoi. Sang de dragon. Par contre, il y a ma selfie, ça, c'est cool. Je parie que la bête n'est pas loin. Qui espérait pique-niquer au bord de l'eau. Moi je l'ai victimisé. Ça a dû faire très mal. Une grotte. Ah voilà, le dragon. Ah, niveau 19 hein. En vrai ça se tenterait dans pas longtemps hein. Mais même là même si j'essaye d'aller faire celui des marches solitaires, je me fais péter le cul. Donc, on va pas le faire hein. On va clairement pas le faire. Voilà, j'arrêtais là. J'arrêtais là, je vais aller à la Force Céleste. Je vais sauvegarder puis je vais vous dire au revoir parce que. Aujourd'hui mort. Tout bêtement. Oh, il est dégueulasse! Il est immonde! Arrêtez! Vous êtes dégueu. Hop! Ah, les rapports de l'alien après, on va lancer. Il va faire l'effort quand même d'aller changer sa quête parce que. Enfin, sa couche, hein, sa quête. Comme ça, au moins la prochaine fois, on en aura une nouvelle terminée. Ce serait dommage de gâcher ça. Au lit aussi, j'espère. Oh, quel enfer. Oh, ok. Le mec, t'as mis deux fois dans son plumard, tu veux déjà des gosses, quoi. Terrible. Terrible! On est mauvaise langue. On est mauvaise langue. On est mauvaise langue. On est mauvaise langue. Raconte pas ces choses-là en public, voyons. Alors, Léliana, sur quoi qu'on va la foutre ? Éliminer la marquise. 48 minutes. Non, mais moi, il me faut une quête de 1000 heures. Comme ça, quand je reviens c'était la prochaine fois... C'était intéressant de voir tout ce qui a changé à Alam Chiral. Et tout ce qui est resté intact. Madame Méprise est indéboulonnable. Le soleil s'éteindra avant qu'elle ne prenne sa retraite. Ouais, 2h24, c'est acceptable. À 4h48 là. Restaurer le port de la côte orageuse. Kellen, il est dispo depuis quand ? Au boulot ? J'ai pas fait attention. Ah oui, bah oui. Je vais la mettre sur la quête de 4h là, je pense. Tenir du cuir, tout ça, je m'en fous.
Je pense qu'on ira avec Liliane, avec Joséphine sur celle-là, parce que ça sent le truc de des victimes bolos. Voyons un peu ça. Voilà. Hop, bon, on va se laisser là-dessus. Je te fais des bisous, YouTube. Merci d'avoir regardé. On se revoit vite.